Vous me laissez enregistrer quand l'arrivée du mari. Non, quand vous êtes prêt. Et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimés en Christ, c'est une grande joie que de venir aujourd'hui à la bénédiction nuptiale de Martin et Claudine. Nous sommes dans la joie d'accueillir déjà Martin au milieu de nous. Nous allons demander à la chorale de continuer encore à animer pendant que nous allons attendre un tout petit peu l'entrée de Claudine. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada.
C'est déjà là, c'est déjà.
194 Damien Gemma Bonacristo. 194. Na lekende La mariée arrive. Mounye, déna, mounye. La mariée arrive. Maman Lolo, so. Ah!
Merci. Gracias.
Nous restons encore debout, s'il vous plaît. Nous restons encore debout. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous un jour d'allégresse, un jour de joie. À nos supplications. Dans ta bonté, Seigneur, répands ta grâce sur Martin et sur Claudine, puisqu'ils se sont dit oui devant ton autel pour s'engager l'un envers l'autre dans le sacrement de mariage, que leur amour en soit fortifié. Seigneur, en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un. Attache ainsi Martin à Claudine par un amour sans partage. Maintenant qu'ils vont recevoir la bénédiction nuptiale, donne leur Seigneur de s'aimer sans aucun égoïsme pour qu'ils soient des témoins de ton amour. Nous te les demandons ainsi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je disais que c'était un grand jour, le jour que fit le Seigneur. Un grand jour, un jour historique, un jour mémorable. La grandeur de ce jour réside en ce que, de tous les quatre coins de Paris, nous sommes là autour de Martin et Claudine pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. La grâce de Dieu est avec vous. Vous avez obéi à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, par ce sacrement de mariage, vous allez recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Un jour historique, puisque dans toutes les annales, cette date restera jamais inscrite, que ce soit à la mairie, dans les registres de l'Église ou sur des invitations, cette date y figurera à jamais. Événement mémorable, puisqu'il sera à jamais gravé sur tous les supports de nos téléphones, de nos appareils, les propos, tout ce que nous allons dire aujourd'hui sera à jamais gravé pour la mémoire de l'histoire. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que
que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Coral Mei. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Que tu es belle, mon ami. C'est la parole que Martin t'adresse. Que tu es belle, Claudine, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Amen. Amen. Coral Mei. Wande na posino, tika di kom la dolo. Wande na posino, tika di kom la dolo. Wande na posino, tika di kom la dolo. Wande na posino, tika di kom la Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem.
Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Nemu yenge na sangwa sunamo, alago do la bobeti leti, bipele lo dinde na manyaka, bete na yesu adoni peba, nemu yenge wa atondimba, atondimba. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. En vain mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confondu quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. En vain mangez-vous votre pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Amen. Tonatimbe ya mona la opwi. Amatondo batona pendene. Dika mutane no omulema. Kena no selena atondi mamunyenge. Mounyenge na atondi ma. Atondi ma. Atondi ma. Mounyenge na atondi ma. Atondi pe. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Un dernier cantique, la meille, avant de passer à autre chose. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vous invite à la prière.
Père éternel, nous te bénissons ce matin pour Martin et pour Claudie. Seigneur, tu les as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as mis en eux, Seigneur, toutes les aptitudes, les talents, les dons, les charismes, afin d'assujettir toutes choses sous la terre. Tu leur as donné, Seigneur, d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Et tu leur as donné l'intelligence. Nous te remercions pour ces dons du ciel. Et pour cette grâce particulière que tu leur accordes aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci. Car aujourd'hui même, au ciel, les anges sont dans la joie. Et sur la terre, les fils des hommes, tous ici rassemblés, nous sommes dans la joie. Puisse cette joie, ô notre Père, impacter notre cœur, impacter nos familles, impacter tous les hommes et toutes les femmes qui nous connaissent de près. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons, avant d'appeler la chorale, vous rappeler que nous allons passer maintenant à une seconde partie. C'est la partie consécratoire, la partie de la bénédiction, si vous voulez bien. Bénédiction nuptiale qui sera présidée par le pasteur Henri. Et pendant ce temps, je vous demanderai d'être très attentif et de rester dans un esprit de prière. Amen. Amen. Coran May pour nous introduire dans cette partie. Coucou. Cristo atonzi bae Cristo atonzi bae na pena na tonda mae gola we to mizi atonzi mo atonzi ba we mo atonzi ba ena e atonzi ba C'est le mariage de monsieur et madame Martin. Merci de votre direct. Et moi, attends,